go. Don't lose your tits. I see him. Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Devil May Cry 5 sur PlayStation 4. Édité et développé par Capcom, sorti officiel le 8 mars 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Excellente note de 18 sur 20 et putain les gars, qu'est-ce qu'il le mérite. Pour ceux qui ont l'œil, si vous avez déjà joué à la démo, effectivement, je me remets à faire la démo pour ce premier plan séquence de découverte. Vous allez me dire, pourquoi refaire la démo? Autant nous montrer des nouveautés. Eh bien, sachez que Capcom nous l'a un petit peu mis à l'envers lors de la démo jouable ouverte à tous. La démo n'était pas à 100% complète. Il y a d'autres lieux, d'autres événements qui vont se dérouler et j'avais envie de vous montrer ça. Ça me permet de limiter le spoil tout en vous montrant une petite part de nouveauté. En parlant de nouveauté, en plus de Nero et de Dante, un nouveau protagoniste, V. Et on s'attardera du coup sur son gameplay, sur sa jouabilité dans un autre cut pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, un gameplay très très enfantin, possibilité de mettre toujours le jeu en mode combo automatique. À vous de bourriner votre touche triangle, rond pour faire un grab sur vos ennemis, carré pour pouvoir tirer avec votre Blue Rose. Toujours équipé de sa Red Queen avec un moteur intégré qui vous permettra de faire une charge Eggs beaucoup plus puissante lors de vos premiers coups. Donc voilà, c'est assez intuitif comme jeu. Surtout que Capcom a ce petit truc qui fait que, pour les puristes de la saga, quand on ajoute un nouveau perso à un lore d'un jeu qui comporte déjà plus de 4 volets, on a un petit peu de mal à intégrer de nouveaux personnages dans le roster historique. Mais ils ont ce petit truc, Capcom, de faire que la jouabilité est telle, jouissive, aussi facile soit-elle d'exécution, et bien qu'on a d'autres choix que d'apprécier le personnage et de l'intégrer en fait au lore du jeu.
C'est ce qui se passe pour Nero, on avait été fortement surpris de la facilité d'exécution des mouvements de Nero comparé à Dante, où est-ce qu'il fallait un petit peu masteriser le personnage avant de pouvoir faire des combos assez impressionnants. Je vous rappelle que tous vos combos sont notés sous forme de lettres D, C, B, A, S, SS et SSS. Tout le monde essayait bien sûr de chercher le fameux Smoking Six Style à faire avec Dante. Avec Nero, il était beaucoup plus simple de le faire. Et croyez-moi, de ce que j'ai pu faire avec V, le SSS est très très facile d'exécution. Pour ce qui est de l'histoire, tout se passe à peu près dans la ville de Redgraves en fait. On affronte du coup le dieu des démons Urizen himself, c'est pas rien. Et Dante est resté le combattre, et nous sommes avec Nero et V dans la ville. Nous devons détruire plusieurs racines d'un arbre qui donne puissance aux démons. Donc à nous de faire le ménage dans cette ville pour ensuite revenir voir Dante qui était grandement en difficulté au début du jeu. Je ne vous spoile pas en vous parlant de ça parce que c'est dans de nombreuses vidéos sur internet. On va pouvoir charger l'épée parce que là, je sais qu'à ce moment, il y a de la fight. On va passer aussi d'ailleurs l'événement. Voilà, inutile qu'il se présente. Les petits faucheurs, ce sont des habitués de la saga. On va pouvoir les bourriner tranquille. Pour ce qui est de Nero, vous avez dû le voir, donc du coup, en bas à droite, j'ai plusieurs bras mécaniques à disposition, chacun porte un nom différent et ayant donc du coup des caractéristiques et des combos différents. Certains sont spécialisés dans du combat à distance, vous voyez que le punchline permet d'envoyer son poing tel un Iron Man ou un Optimus Prime pour pouvoir frapper l'ennemi à distance. D'autres seront plus pour le corps à corps avec des charges électriques, certains sont plus dans l'esquive et le mouvement. Tout type de poing est adapté à différentes façons de jeu et pour vous adapter en fonction de l'adversaire que vous aurez à combattre. Donc voilà, ça c'est une nouveauté, vu que Nero perd son bras, vu qu'il avait été touché par la malédiction de Sparda, des démons dans Devil May Cry 4. Là, il le perd, je ne vous dis pas comment, vous allez le savoir très très tôt dans le jeu. Et la scène vous montrera d'ailleurs l'arrivée d'un personnage qui a fait la joie et la jouissance de certains joueurs dans Devil May Cry. Il est de retour, mais je ne vous en dis pas plus, mais je pense que si vous avez vu certaines vidéos, vous devez savoir de qui je parle, caractérisé par la couleur bleue. Oh là là, on en dit déjà trop. Pour ce qui est donc du coup de ce Devil May Cry 5, c'est vraiment très jouissif comme gameplay, c'est du bourrinage. Il s'agit d'ailleurs d'un jeu aventure hack and slash, comme on dit, à vous de foncer dans le tas et de faire le meilleur scoring en frappant les ennemis, et diversifier vos coups afin d'avoir des combos avec un multiplicateur plus important. Alors, donc ça... Oh, il y avait qui est en train de se battre. Vous voyez là, ce plan séquence, là il n'y a rien. Vous voyez, on a rien vu. Normalement, de temps en temps, V peut apparaître ici et on peut le voir se battre. Et ça, c'est le seul point pour l'instant, hormis les chargements en début de game, parce que bon, les chargements, ça va, ils sont pas si longs que ça. Mais ça, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant à redire sur Devil May Cry 5. Vous le voyez se battre au fond, et en fait, c'est un ordinateur qui prend le contrôle de ce protagoniste, et donc du coup, il se bat avec des combos un peu random en fait. J'avais pas pris la Night Dog. Une petite bestiole à foutre dans cette plante pour la faire faner et que l'on puisse passer. C'est assez dégueulasse d'ailleurs. Bouffe ma MST. Ah merde! Ah oh, putain, je voulais passer. Ah, oh, je voulais vous montrer comment ça se fane. Enfin, ça pourrit, c'est dégueulasse. Ouais, je vous le montrerai. Je sais qu'il y en a une autre. On y arrivera. Enfin bref, pour en revenir à ce point négatif, l'ordinateur en fait contrôle le personnage, dont ça devient un PNJ, mais il combat avec le set de combos que l'on peut avoir accès, nous, en tant que joueur. Ce qui fait que ça dénature un peu, ça enlève l'effet un peu fantastique, impressionnant du jeu. Vous allez vous retrouver parfois avec des séquences de trailer excellentes, comme vous avez dû sûrement le voir dans l'intro de ma vidéo. Et d'un coup, ça va passer à une vidéo in-game, et ça va être filmé avec vous qui incarnez votre personnage, donc que ce soit Dante, Nero ou V, et si vous croisez un autre des protagonistes,
eh bien il va se battre mais contrôlé par un ordinateur, et parfois il va des fois rater ses coups, ou il va être placé pas au bon endroit, d'où le fait que le zoom de l'écran n'a filmé que du sol quand j'étais sur cette terrasse. Et donc ça c'est un petit peu dommage, donc c'est un effet assez random, et ça enlève un peu ça dénature, et ça a un côté bien moins impressionnant, alors que Devil May Cry se veut vraiment dans le côté... super impressionnant, très, très bourrin, très, très action. Comme je vous le dis, c'est un hack and slash, donc il ne faut pas que ça perde en rythme, en fait. C'est rythmé, de toute façon, sur fond de musique rock-metal, toujours style un peu metal orchestra, comme du Delane ou autre. Et là, enfin, c'est particulier. Parfois, ça enlève vraiment le rythme. Enfin, bref. Donc, je vais essayer d'aller dans une phase, quand même, où est-ce qu'il y a un petit peu plus de combat. Et on va enchaîner parce que l'émission dure quand même 35 à 40 bonnes minutes à chaque fois, donc on va quand même éviter de trop patienter. Donc je suis à une autre plante, je fous ma MST dedans, ma larve Nighthawk, et vous voyez, c'est en train de pourrir. Et c'est Daggeross. Allez, à moi la démonite rouge. Démonite rouge du coup qui s'affiche en haut à droite, il s'agit de votre monnaie. En parlant de monnaie, donc du coup échangeable. Oh, il s'agit de la fameuse du fameux symbole. Il faut arriver à le former avec l'angle de votre écran. Et en fait ça vous débloquera un petit bonus, un défi à faire. J'essaie de bien me caler. Ah, yes. Voilà, mission secrète. Éliminer tous les démons. Voilà. Donc on va se retrouver avec un défi chronométré. C'est vraiment stylé. Donc là, on a des défis inclus directement dans la mission principale. Et ça vous permettra d'ailleurs de débloquer encore plus de dragonite... De démonite rouge. Excellente transition. On dirait que j'avais préparé mon coup. La démonite rouge, du coup, à quoi ça sert? Eh bien... C'est votre monnaie, dans tous les DMC, vous pouvez acheter, donc du coup, améliorer votre personnage en lui achetant des techniques, et améliorer du coup votre arme de corps à corps et votre arme à distance. En l'occurrence, pour Nero, il s'agit du coup de sa Red Queen, pour ce qui est de l'épée motorisée, et du Blue Rose pour son revolver double balle. Pour ce qui est de Dante, vous avez Ebony et Ivory pour ses pistolets, et Rebellion, l'épée que Sparda, père de Dante, lui avait offerte pour se défendre. Ah, mais dans la démo, ça faisait beaucoup plus mal. Possibilité, donc, du coup, en stackant, en restant appuyé sur la touche rond, vous pouvez détruire un de vos bras dans une attaque ultime pour que ça puisse faire mal. Et je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus mal. Au final, détruire un bras ne pourra péter qu'un seul ennemi. Je pensais que le rayon laser, en plus du bras qui permet de faire des dodges, des esquives, allait être beaucoup plus puissant. C'est assez impressionnant visuellement, mais au final, ça casse pas trois pattes à un canard. Bref, du coup, vous améliorez donc du coup vos armes, mais dans ce DMC, vous avez un nouveau personnage qui s'appelle Nico, enfin c'est son surnom, c'est la femme qui accompagne, que vous avez vu dans cette vidéo d'intro, qui accompagne du coup Nero dans ce van qui porte le nom de la société qu'a créé Dante pour buter des démons, Devil May Cry, qui littéralement veut dire que les démons peuvent pleurer, et en fait, c'est à elle que vous aurez affaire, pour pouvoir en fait acheter tout ce qui est upgrade, amélioration, nouveaux bras mécaniques, et même vous allez pouvoir avec certaines pierres et des consommables vous augmenter votre barre de vie ou même votre barre de Demon Trigger pour ce qui s'agit de V, vu que lui il a une autre barre de pouvoir pour invoquer ses démons. Voilà. Donc, on arrive au boss. Pourquoi on arrive au boss? Comment je le sais alors que le boss n'est même pas là? Il y a la cabine téléphonique. Le téléphone vous permet, durant votre partie et non pas au menu, d'acheter du coup vos upgrades. Et ça, c'est vachement sympa. En gros, ça vous fait un espèce de last checkpoint avant d'affronter le boss final. Et c'est pas négligeable, ça reste assez sympa. Ça vous replace chronologiquement en fait dans la timeline de votre mission. Ça reste toujours aussi impressionnant quand Nico débarque. C'est bien drôle. De toute façon, ils ont ce petit truc Capcom pour faire apprécier les personnages. C'est vraiment super sympa. Oh, mais rentre.
Voilà. Du coup, que je vous montre un petit peu la personnalisation avant d'aller affronter monsieur le gros Goliath. Donc voilà, vous avez donc du coup les différentes fenêtres, aptitudes, Devil Breaker, équipement, objet. Oh, mais j'ai assez même pour me racheter de la démonite bleue. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir que ma vie augmente. Voilà, l'équipement, en gros, vous allez vous équiper par ordre le bras que vous voulez. Les Devil Breakers, ce sont les différents bras. Et donc, habilités qui sont propres à Nero. Le Blue Rose pour votre flingue. La Red Queen pour votre épée. L'Exceed qui est, du coup, le moteur de votre épée. Tout s'augmente petit à petit. À vous de faire les meilleurs combos pour pouvoir récupérer le plus de démonites et acheter les meilleurs upgrades en un temps record. On arrive donc du coup enfin sur la phase avec la petite cinématique du boss. Je vais m'arrêter de parler parce qu'elle est géniale. Somebody call a doctor? I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Toujours ce petit côté mamba les couilles, vous savez, propre au Devil May Cry. Le monstre a beau faire la taille limite du... ouais, il fait la taille d'une maison, clairement. Alors que nous, on n'est qu'un simple humain. On n'a même plus notre bras démoniaque. On a que des bras mécaniques. Ou est-ce que notre Winry version DMC nous rabote sans cesse? C'était le fameux coup, est-ce qu'on va passer en understage? Je me demandais quand est-ce qu'il allait le faire, mais en fait c'est qu'on lui enlève le premier quart de sa vie. J'étais un petit peu perdu. Je l'ai fait que quelques fois en démon, mais comme cette mission, j'ai pas mal avancé dans le jeu. Je dois être au chapitre 10. Sachez qu'il y aura en gros 20 chapitres pour une bonne quinzaine d'heures de jeu si on le rush vraiment. C'est vraiment super bien fait. Franchement, les animations, l'effet des décombres qui tombent sans forcément se traverser, il y a cet effet ragdoll sur le décor. Où est-ce qu'il y a donc du coup ce principe où est-ce que l'objet est entassé? Tout ce qui est tombé est en train d'être récupéré. Est-ce qu'il va m'inspirer? Je pense pas. Si peut-être, oui. Donc je vais casser un de mes bras. Hop, voilà. Péter un de vos bras pour quitter son ventre et qu'il ne continue pas à vous faire du dégât sur la durée avant qu'il ne vous recrache. On est en dessous de la moitié de ta barre de vie, tu as fait ta petite technique, on va se retrouver dehors. Il est l'heure de te mettre la pâtée. Ouais, donc du coup, voilà. Je disais, voilà, on a ce côté vraiment je m'en foutiste.
qui est vraiment très propre aux héros et qui leur donne ce côté un petit peu badass, ce côté très classe d'appréhension de l'ennemi. C'est que en mode, genre, on en a tellement vu des pires que toi. Oh, bordel! J'avais pas vu que c'était le bras ouverture. Lui, ça me fait les petits combos électriques. Voilà, ça lui enlève pas mal de vie, effectivement. J'allais me reprendre de la vie. Vous allez voir, voilà, il me faut de la démonie de verte. Elle est là. Hop, voilà. Et ce côté vraiment, vraiment sympa de quand on s'affronte, il y a cette caméra qui passe derrière l'obstacle, mais qui donne une transparence à l'obstacle pour que vous puissiez continuer à bien observer le déroulement de combat. Et vous puissiez continuer vos combos. Il m'aspire encore. Oui. Dégage. C'est pas grave, une ouverture, j'en ai une deuxième. Allez. Dégage. Voilà. Bon, il va y avoir la cinématique. On enchaînera de suite avec V. Je vous laisse là-dessus. Gonna have to pick you out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Donc, voilà, on est dans la première mission où est-ce qu'on incarne V. Je revois un petit peu, parce que je l'ai joué qu'une fois, mais c'était hier de base, quand j'ai joué sa mission. Quand j'ai joué ses missions, pardon. Je redécouvre le gameplay parce que vous n'allez pas non plus l'incarner tout au long du jeu. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley, ain't that right, V? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare.
Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick. Son oiseau est vraiment génial. Il a un humour complètement décalé, alors que bon, la panthère ne parle pas. Et son golem encore moins. Lui, il est vraiment pas là pour enfiler des perles. Donc voilà, combattez donc du coup avec V. Triangle, c'est votre panthère qui attaquera. Et comme vous pouvez le voir, elle fait très très mal. Pour ensuite attaquer avec votre corbeau, il s'agit de la touche carrée. Et quand l'ennemi est grisé, vous avez qu'à faire rond dessus et il l'exécute pour pouvoir récupérer des points. Que vous ayez de meilleurs combos pour récupérer votre démonite. Très très sympa à jouer. Autant on pouvait dire que Nero était très simple, autant V, c'est de la facilité, hein. Vous restez à côté et en gros, vous avez qu'à au pire vous déplacer avec le joystick et vous bourrinez carré, triangle, carré, triangle, carré, triangle. Et hop, vous foncez, vous loquez quelqu'un avec R1 et vous foncez avec rond dessus pour aller le terminer. Et ça c'est vraiment, vraiment top. Votre barre de Devil Trigger, ce sont les trois barres violettes qui diminueront avec le temps tant que votre golem restera à côté de vous. Vous l'activez avec la touche L1. Et c'est assez sympa, parce que quand il active donc, du coup, son Devil Trigger, ses cheveux deviennent blancs, un peu ben, comme quand Dante ou Virgil passaient en mode cheveux blancs quand ils se transformaient... Pourquoi je dis Virgil? Il a déjà les cheveux blancs. Quand Dante, dans l'épopée du DMC, se transformait en démon et avait les cheveux blancs, du coup. On sent la petite référence. Bien entendu, vous allez pouvoir réincarner Dante dans le jeu, même si ce n'est pas le héros que vous allez forcément jouer le plus dans ce cinquième volet. Après, il a une attaque très basique avec Ron, il donne juste un espèce de coup et il est quand même assez lent. Vous allez me dire, de toute façon, si ce sont ces monstres qui combattent pour lui, il est logique que lui, il ait un pattern moins efficace au corps à corps. Ce mec, enfin, c'est un mystère pour moi. C'est un mix entre du Tokyo Hotel, le visage du chanteur des bébés brunes et Kylo Ren. C'est assez bizarre. Oh là 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 là, c'est vrai, purée. En loquant et en faisant rond, il peut aussi jeter sa canne, ce qui fait qu'il peut s'éjecter carrément, se lancer sur l'adversaire pour aller le terminer, et ça c'est fou. Oh là là. Regardez-moi cette classe, quoi. C'est fou, c'est fou. Bon, je vais aller à un moment où est-ce qu'il y aura plus d'ennemis, comme ça je vais vous montrer le golem. On est là pour voir du gros Six Style. Quand il appelle son golem, ça déconne pas. Donc le voilà, beaucoup plus gros que les autres. Et votre barre de Devil Trigger est en train de diminuer au fur et à mesure qu'il est présent sur la map. Pour remonter cette barre, il se mettra à lire pendant qu'il combat. Maintenez et restez appuyé sur la touche R2. Il lira à haute voix et vous récitera les différents versets de sa pseudo-bible. Ça reste assez sympa. Oh, c'est vraiment, vraiment stylé à jouer. Le golem, après, vous l'avez peut-être pas bien vu, mais il a vraiment niqué toutes les personnes autour de moi. J'ai plus qu'à les finir. Je vais m'avancer jusqu'à une séance avec un boss. Et vous allez voir la puissance. De toute façon, je sais quel boss. Oh, le triple S a été fait. Un smoking sexy style. Je suis en train de regarder, mais même ses lèvres bougent. Franchement, la motion capture a été super bien réalisée. Vous avez même sur internet le visage des acteurs qui ont été facemakés pour animer les différents protagonistes. C'est excellent. La ressemblance est frappante. Vous allez me dire, bon, on est en 2019, encore heureux maintenant qu'on sache le faire dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est foutrement bien fait. Yeah.
animations sont vraiment folles. Franchement, les cinématiques, mais je ne m'en lasse pas. C'est, je pense que quand j'aurai terminé le jeu, j'irai sur cette fameuse chaîne qui fait une grosse compilation de toutes les cinématiques du jeu en faisant des cuts, en coupant toujours le gameplay et en mettant le full movie du jeu. Et je pense que je vais me le mater et remater. De toute façon, les DMC, c'est vraiment génial. Alors, la fameuse Violette, mais qui n'est possible que pour V. Ouais. Bon, après, ça change pas. À part aptitude et objet, après, il a moins de choses que Nero, effectivement. Non. Putain, ça reste super intéressant. J'ai peu de démonites rouges et tellement de choses à prendre. Oh, celle-là aussi, elle est stylée. Voilà. J'ai tellement envie de tout prendre. De toute façon, voilà. Le speed de base, c'est la base. Prenez toujours la possibilité d'accélérer pour votre premier achat. Ça va vous faire déjà gagner un temps monstre. Et puis, vos attaques peuvent être concentrées avec la rapidité. Vous pourrez taper plus fort si vous êtes en sprint plutôt qu'en étant statique. Oh là là. Peut-être à Bagheera qui se transforme en porc épique, quoi. C'est génial. Ouais, je vais quand même prendre quelques attaques avec le corbeau. Je me suis pris pour moi. Ouah, 15 000 le prochain. Oh bordel. Bon, allez, on va prendre... Ouais, on va prendre celui-là. Et on va aller se faire le boss. Donc pour le boss, il s'agit de Nighthawk. Nighthawk, du coup, si ça vous parle, c'est les petites larves que je mettais dans ces espèces de plantes-là. Eh bien, on a le papa de toutes ces petites larves MST. Dumb as a box of rocks. Let's not even mess with this guy, V. He can't even leave the Clifod anyway. Just a Clifod parasite. Uh-oh. I think he hurt me. Not in this lifetime. As the air to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Donc là, clairement, on va appeler le CSA pour mettre cette vidéo en moins de 18, parce que là, c'est vraiment un porno qui va se passer. J'ai à peine appelé le golem, regardez sa vie descendre, vous y avez peut-être pas prêté attention, mais il a déjà perdu un quart. C'est juste complètement fou là, ce qui se passe. Je ne fais que appeler le golem qui tape et je bourrine carré triangle juste en bougeant. Il est moitié vie, on est en triple S, je n'ai rien branlé. C'est trop facile de jouer V. Comment vous voulez, même si le mec il a une gueule de chanteur de K-pop refoulé, il a néanmoins ce léger charisme avec son livre, ce petit côté un peu littéraire goth, et la puissance qu'il a par ces putains d'incantations là, mais comment vous voulez ne pas le kiffer en fait dans le jeu? C'est indécent ce qu'il prend, c'est abusé. Il m'a pas touché une fois. J'ai jamais fait des combos d'une simplicité aussi enfantine et arriver à faire un triple S, mais je jure, hein, je joue que d'une main là. Et il est mort. Voilà. Tout simplement. Voilà une bonne chose de faite. Du coup, voilà. Un nouvel arbre est tombé. Après Goliath, il y avait aussi un autre boss, mais voilà, je fais quand même quelques cuts. Hein. Oh, celui-là, il est très chiant. Okay, alright, that's not good at all. That's not good. Well, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then, that's a little bit more than I can take on right now. Ah! Ah!
Voilà. Et après avoir pété tous ces arbres, nous pourrons nous rendre au lieu mère où Dante affronte Urizen pour notre petite revanche vu qu'on a fui. Et bien voilà, sur ce du coup j'espère que ce test gameplay découverte de Devil May Cry 5 vous aura bien plu. Sur ce du coup je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao !